Bonjour, bonsoir. Dans la vidéo, ça nous pourrait montrer comment capable mettre une vidéo que vous finissez enregistrer ou bien vous doit n'importe l'autre fichier. Vous pouvez montrer comment capable mettre fichier ça sur Google Drive et puis après ça, vous partagez avec un autre monde. Dans l'exemple, ça nous pourrait utiliser une vidéo par exemple, tout ça là, ça c'est un série de documents que moi gagne là, moi enregistré sur Google Drive et puis. Et si j'ai besoin pour yon l'autre monde faire édition vidéo ça pour moi moi enregistrer vidéo après ça moi mettre sur Google Drive et puis après ça moi partager le lien là avec éditeur là pour moi et puis éditeur là gagne accès avec le lien ça il download vidéo et puis il fait édition pour moi moi vais montrer comment capable mettre n'importe fichier et sur Google Drive voilà ça c'est un série de fichiers. Là, il pas paraît ou pas ka wè sa yo, ou wè sa son PDF, mais là, ou pas ka wè sa yo, sou ta vle wè ki sa sa yo, ou gen dwa clique nan ti casier sa ki an lè a la, et puis ou wè, li paraît pilage, et là, ou wè que ça c'est un série de vidéo. OK? Et moi pral prend exemple, on suppose que moi gen yon vidéo que moi fin enregistrer sou OBS, et m'a montre OBS moi là c'est contre OBS moi là on suppose que m'bra enregistrer une vidéo sur lui là et puis après ça m'bra mettre sur Google Drive et moi aller sur OBS là moi aller dans yon scène dans scène caméra là on suppose que son vidéo que m'blé fait moi configurer scène moi là et puis là m'fin aller dans scène caméra moi aller dans caméra m'fait double clic. Et puis moi choisi OBS et après ça moi choisi caméra. Bon comme moi même pas connecter caméra maintenant, caméra n'a pas apparaître là, mais si vous avez une caméra, l'image va apparaître là automatiquement. Vous pouvez cliquer sur OK. Et puis après ça, vous faites transition parce que c'est ça qui va être dans programme écran, c'est le même qui va l'enregistrer. Moi même pas faire transition parce que moi c'est écran avant enregistrer. Moi on va faire transition et puis après ça vous cliquez sur et démarrer l'enregistrement. Moi même pas n'a pas démarrer parce que et moi même j'étais avant enregistré ensemble avec lui. Et une fois que vous finissez la vidéo, vous arrêtez l'enregistrement et puis qu'on y a là, on va aller chercher fichier. On va chercher fichier à dans l'espace fichier ça là, OK. Moi cliquer sur lui. Et puis il ouvre là et puis on va chercher vidéo que moi t'ai enregistré. On va faire une vidéo ça moi pour aller sur côté là m'a cliquer sur vidéo et puis là il présenter toute vidéo que moi enregistré vidéo que m'ai enregistré c'était ça on capable changer nom li on suppose que c'est une classe on reler le classe numéro 1 et, OK bon, une fois que me fin enregistré classe là et là pas maintenant je vais pas me changer lui parce que fichier a été ouvert quelque part là mais au moins ou même on va juste changer et non fichier parce que c'est toujours bon pour bien enregistrer et pour bien organiser fichier bah un nom pour les envoyer le bail éditeur là pour capable connaître et qui fichier ça y est et puis ou même tout capable organiser affaire OK et une fois que vous enregistré là qu'on a pour capable mettre les sur Google Drive qui sont va le faire. Ou pour aller sur ouvrir Google, OK, bon, ouvrons l'autre fenêtre là. Et puis après ça, on aller dans 9 petits points là et puis on cliquer sur Drive. OK. Et là cliquer sur lui là, si pour la vide, il va apparaître avec ça yo. Et la page tout vide, mais si vous gagne gain au moins la montrer au ça que vous gagne temps enregistré. Mais si pour la page vide, on va juste aller côté qui dit nouveau hein. Et new va connait quelle langue pour là on clique sur lui si pour la ta non l'autre langue juste prête attention avec image d'accord la gon signe plus et me clique sur nouveau peut-être pour la ka dit new s'il est en anglais on clique sur lui et puis là il va dire pour upload archive ou bien fichier que on va upload là d'accord on va cliquer sur deuxième là regardez sous petit flèche là là OK et ça différent avec ça en bas OK. Ce sont archives, m'a cliqué sur archive. Et puis quand il y a là moi pour aller chercher vidéo, hein, m'aller sur côté là, m'a cliqué sur vidéo. Et puis moi pour aller chercher vidéo que moi t'ai fin enregistrer. Là, ça c'est vidéo ça, OK? Et si vous voulez enregistrer plusieurs vidéos en même temps, vous capable faire ça, d'accord? Vous capable cliquer dehors et puis vous sélectionner tout fichier.
OK, on suppose que vous gagnez pile vidéo, faire ou font ban ou décider de voir tout d'un seul coup, vous capable faire tout. OK, vous sélectionnez tout. OK, ouais, capable sélectionner tout ou bien si vous voulez sélectionner grain par grain tout, vous doit cliquer sur premier, après ça pressionner dans clavier bouton contrôle là. Ça dit CTRL là, on va pressionner bouton contrôle là. Et puis après ça, on va cliquer sur l'autre document que vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez cliquer sur lui. Et ouais, et puis si vous avez seulement trois fichiers, ça. Et puis après ça, je vais le bouton contrôle. Ah, si moi, j'ai besoin d'ajouter vidéo ça, ou pressionner le bouton contrôle. Et puis, vous cliquez sur lui. Et puis après ça, je vais le bouton contrôle. Puis après ça, si par exemple, vous dites non, je vais faire un erreur, je vais afficher ça. Vous repressionnez bouton contrôle là et puis vous cliquez sur ça pas besoin et puis l'app désélectionner. OK, moi même capable là c'est seulement fichier ça. M'a cliquer sur bouton contrôle là, me désélectionner ça en l'air et m'a quitter seulement ça. M'a faire double clic sur ça, sur fichier ou bien me cliquer sur abrir là et puis c'est toujours même résultat. Et puis l'arrivé dans partie en bas là, on pourra le fichier qui commencer à monter en bas. D'accord? Et si vous voulez mettre l'autre fichier encore, ou aller sur nouveau encore, vous cliquez sur Upload Archivos et puis vous choisissez un fichier. OK? Et vous choisissez un fichier. Ouais. Et puis ça que là pendant fichier monter, vous voyez que la paraît en bas là, ouais, il montre que fichier monter. Là pas maintenant que tu as fini monter. Et puis fichier qu'on a qui soit pour faire ou pour partager avec monde que vous voulez partager, qui soit pour faire. Ou identifier fichier là sous page jeune font actualiser page là. OK, et bien là montre tout ce que upload dans jour. Ouais, ça moi à peine upload li qui ça m'a fait double clic sur li et puis ça c'est vidéo. OK, qu'on y a là qui sont pral fait sous quelque bail qui pas bien ou capable corriger vidéo pas envoyer le bail monan ou juste facile ou faire clic droit ou ca faire clic droit sur li bon moi. Ou facile, ou tourner dehors, ou faire clic droit, puis ou cliquer sur mauvaise, ou cliquer sur petit icône poubelle. Mais si vous voulez que le bon, vous voulez partager, faites double clic sur lui, et vous gardez vidéo. OK? Et puis vous tout le bagage en forme, ou allez dans trois petits points qui sont en l'air là, et puis vous prenez le côté qui dit, côté qui est icône avec plus bon côté là. Partager, ou bien share, cliquez sur lui. Et puis là, libre accès pour capable mettre email moun que vous voulez partager. Ou bien si vous pas voulez mettre email, ou juste aller dans petit bouton là côté qui gagne un petit cadenas. Et puis vous cliquez sur lui et puis après vous cliquez côté qui dit quoi quelle personne qu'on au link, soit n'importe monde qui gagne link ça capable ouvrir. Vous cliquez sur lui. Et puis après ça, vous copiez link ça. Vous cliquez sur copier. Et bien après ça, vous partagez le lien avec mon nom sur WhatsApp. Ok, vous allez monter sur WhatsApp là. Et puis vous partagez le lien avec mon que vous voulez utiliser ou bien que vous voulez qui gagne accès avec le lien ça. D'accord? Et puis mon nom, la cliquez sur lui. Et puis la joindre fichier. Et puis après ça, la cliquez sur le bouton download là. Et puis lui la fait download vidéo ça. D'accord? Bon, nous espérons que cette vidéo ça t'a aidé. Si vous pas comment vous te partager le lien coup. Bien yon fichier sur Google Drive vidéo ça l'a vraiment servi. D'accord, bon c'est là que on a fini avec vidéo ça. C'était Zanmi ou Michel Prévost. Ciao ciao et à la prochaine.